Bonjour chers étudiants, bonjour chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons voir les conjonctions de subordination. La semaine dernière, nous avons parlé des conjonctions de coordination. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que les conjonctions de subordination. Objectif du cours. Les conjonctions, les objectifs de ce cours sont: définition de la conjonction de subordination, les types de conjonctions de subordination, liste des conjonctions de subordination. C'est parti. Définition de la conjonction de subordination. Les locutions conjonctives de subordination sont des conjonctions de subordination qui prennent la forme de composés détachés. Le nombre exact est assez imprécis. Elles contiennent presque toutes la conjonction que. Les types de conjonctions de subordination. Les conjonctions de subordination expriment les fonctions ou rapports de subordination suivantes. Proposition subordonnée complétive, exemple. J'espère que tu viendras au mariage de ma sœur. Le professeur pense que les étudiants l'écouteront. 2. Nadine souhaite que tu réussisses en tout. Proposition subordonnée circonstancielle de cause. Cet employé mérite de réussir parce qu'il est dévoué au travail. Donc, on a ici la conjonction de subordination qui exprime une circonstancielle de cause. Je quitterai le village puisque le chef me l'ordonne. Subordonnée circonstancielle de temps. Je voyagerai en France dès que le billet d'avion sera prêt. La fête commencera quand les invités seront arrivés. Donc ici, on a exprimé la subordonnée circonstancielle de cause et de temps. Voyons la suite. On a la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Ils se sont plaints l'un de l'autre de sorte qu'ils se sont séparés. La subordonnée circonstancielle de but. Les parents font de gros efforts pour que leurs enfants réussissent. La subordonnée circonstancielle de condition. Julie continuera le travail à condition que le directeur lui paye son salaire. Subordonnée circonstancielle de concession. Je lui rendrai service même si vous me l'empêchez. Roland veut voyager en France alors que ses parents s'y opposent. La subordonnée circonstancielle de comparaison. Joël étudie bien ses leçons comme ses parents lui ont conseillé. Liste de quelques conjonctions de subordination. Dans cette liste, les principales fonctions de la circonstancielle que les conjonctions de subordination introduisent sont mises entre parenthèses. À tel point que. À tel point que. À ce que. À condition que. À mesure que. À moins que. À seule fin que, afin que, ainsi que, alors que, après que. Attendu que, au cas où, au fur et à mesure que, au point que, aussi bien que, aussitôt que, autant que, avant que, bien que. Cependant que, c'est pourquoi, comme.
comme quoi, comme si, dans la mesure où, d'autant plus que, d'autant que, de manière que, ou de telle manière que, de telle sorte que, ou de sorte que, de crainte que, de façon que, de même que, de peur que, depuis que, dès que ou dès lors que, du fait que, du moment que, durant que, étant donné que, en attendant que, en cas que, en sorte que, encore que, jusqu'à ce que, loin que, lors même que, même si, si mis à part le fait que, ou que, parce que, pendant que, pour peu que, pourvu que, puisque, quand bien même que, quelque point 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 que, quoique, qui que, sans que, selon que, sauf que, si bien que, si ce n'est que, si point 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 que, sitôt que, suivant que, tandis que, tant que, tellement que, tout point 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 que, une fois que, vu que. Exercice. Relis les phrases suivantes en utilisant les conjonctions de subordination étudiées en cours. Julie est très malade. Elle doit aller à l'hôpital. Il n'a pas d'argent. Il ne peut pas voyager en France. La réunion commencera. Le directeur arrivera. Le travail. Il travaille bien. Sa mère l'a conseillé. Julien ne va pas au cinéma, il n'a pas d'argent. Je finis la lessive, je vais au cinéma. Nous réaliserons ce projet, mais il faut de l'argent. L'appareil ne marche pas, il n'y a pas d'électricité. Anne s'applique en tout, elle veut bien réussir. Il n'a pas d'argent. Il veut s'acheter une voiture. Correction de l'exercice. Julie est très malade. Elle doit aller à l'hôpital. Julie est si malade qu'elle doit aller à l'hôpital. Il n'a pas d'argent. Il ne veut pas voyager. Il ne peut pas voyager en France. Il ne peut pas voyager en France vu qu'il n'a pas d'argent. La réunion commencera, le directeur arrivera. La réunion commencera quand le directeur arrivera. Il travaille bien, sa mère l'a conseillé. Réponse, il travaille bien comme sa mère l'a conseillé. Julien n'ira pas au cinéma, il n'a pas d'argent. Réponse, Julien n'ira pas au cinéma puisqu'il n'a pas d'argent. 6. Je finis la lessive. Je vais au cinéma. Réponse. Je vais au cinéma dès que je finis la lessive. 7. Nous réaliserons ce projet, mais il faut de l'argent. Réponse. Nous réaliserons ce projet à moins qu'il y ait de l'argent. L'appareil ne marche pas. Il n'y a pas d'électricité. Réponse, il n'y a pas d'électricité de sorte que l'appareil ne marche pas. En s'appliquant tout, elle veut bien réussir. Réponse, elle s'applique en tout afin qu'elle réussisse. 10. Il n'a pas d'argent, il veut s'acheter une voiture.
Il veut acheter une voiture, quoi qu'il n'ait pas d'argent. Merci et au revoir. Thank you.